Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto Snake et je vais vous apprendre à faire une fusée. La fusée qui est très simple car elle est symétrique, donc on ne va pas se préoccuper d'un côté ou de l'autre, mais on va tout simplement couper au milieu du Snake. Donc si vous ne savez pas où est le milieu exactement, vous comptez 6 couleurs. 3, 6. Et vous faites un demi-tour. Et là, on aura le haut de notre fusée. À partir de là, ce que vous pouvez faire, c'est tourner une partie du snake vers l'arrière et une vers l'avant. Donc moi, je vais mettre une à gauche, une à droite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre cette couleur-là sur le côté. Et une fois que cette couleur est mise sur le côté, on va devoir mettre celle-là dans l'autre sens. Donc, comme ceci, mais vous voyez que ça va cogner dans celle-là, donc dans cette partie du snake, puisque il y a un triangle qui est de travers. Donc vous pouvez directement mettre cette partie-là vers le haut. Comme ça, dès que vous allez faire votre mouvement avec ce triangle, ça va s'emboîter correctement. Donc je vais vous remontrer. Si vous faites rien et que vous tournez deux fois, ça va cogner. Donc il faut tourner lui de manière à ce que ça s'emboîte. Ensuite, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc on en met un sur le côté. On tourne lui de manière à prévoir pour que ça s'emboîte. Et on tourne lui deux fois. Vous avez un étage de votre fusée qui est construit. Et maintenant, il faut refaire exactement la même chose. Donc vous tournez lui de manière à ce qu'il s'aligne. Et si ça bloque, vous pouvez mettre comme ceci. Hop. De manière à ce que ça s'emboîte. Là, si ça bloque toujours, vous redéfaites votre mouvement. Vous faites exactement la même chose. Et vous pensez que si vous remboîtez, eh bien, ça bloque. Donc, il faut mettre lui vers le bas. Hop là. Ensuite, on fait exactement la même chose de l'autre côté. Hop. Comme cela. Et on remet les pieds sur les côtés et on peut replier les bouts comme cela.